Dans cette vidéo, on va créer un outil ensemble qui va vous permettre de suivre des factures. L'idée, c'est de passer de ça, une liste de factures brutes. C'est la même que dans la vidéo 1, si vous l'avez déjà faite. Donc, c'est une liste de 500 et quelques factures, et 515 factures. Et l'idée, c'est de transformer donc ça en ça, en utilisant des fonctions, des outils, de la mise en forme, des mises en forme conditionnelles, des segments, tableaux, etc., pour pouvoir avoir quelque chose de plus visuel et de plus facile à comprendre pour naviguer un peu dans vos factures, faire des focus. Donc par exemple, je vais voir seulement les factures qui sont entre 2000 et 2400 euros. Bah, ça vous dit bah, des factures entre 2000 et 2400 euros. Il y en a deux. C'est tout le temps le produit C. Donc on voit que c'est que le produit C. Elle date de 2023. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas en 2022 de factures de ce montant-là. Et si on prend un peu plus large, les factures de 1500 à 1599 euros, on voit qu'il y en a 131 sur 515, etc. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le même petit outil à partir de ça en une quarantaine de minutes, je pense. Donc, si vous avez déjà fait la vidéo 1, vous allez voir qu'il y a des trucs qui sont similaires. L'idée, c'est de refaire et puis d'aller plus loin un peu sur plein de petits trucs. Et si vous ne l'avez pas faite, eh ben, bienvenue, on va faire plein de trucs ensemble. Histoire que ce soit facile à comprendre pour vous où est-ce que je veux en venir, je vais faire une impression écran ici et je vais venir la coller là. Hop, et je vais la réduire pour qu'elle fasse qu'elle soit plus petite. Voilà, elle est plus petite, elle prend pas trop de place, mais elle est visible et vous l'avez en même temps. Donc l'idée, ça va être de passer de ça à ça en quelques étapes. Et le premier truc qu'on va faire, nos données qui sont ici, on va les fractionner sur plusieurs colonnes. Et ensuite, on va les mettre sous forme de tableau et commencer à retravailler un peu visuellement toutes ces données pour que ce soit plus facile de les comprendre et de naviguer à l'intérieur. Première étape, je sélectionne ça, données, convertir, et je vais devoir, donc je vais cliquer sur suivant et je vais devoir bien visualiser quel est le symbole qui permet de séparer, de marquer la séparation entre des données d'une colonne et des données d'une autre colonne, donc un type de données et un autre type de données. Et on le voit ici qu'on avait des tirets entre facture, date, produit, et pareil pour les lignes en dessous. Donc ça va être un tiret. Le tiret, c'est pas là-dedans. Donc je vais mettre autre. Je vais décocher ça. Et ici, je vais écrire tiret. Et donc là, je vois que ça a l'air de lui plaire. Il a bien compris. Et donc je vais cliquer sur terminer. Là, j'ai bien mes 5 colonnes qui sont créées avec des factures, des dates, des produits, des commerciaux et des montants. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, je vais mettre. Donc je vais prendre tout ça. Donc, pour prendre tout ça, vous sélectionnez n'importe quelle cellule et vous pouvez faire CTRL A. Ça va sélectionner tout ça d'un coup. Et je vais aller dans Accueil, mettre sous forme de tableau. Du coup, je clique là, je dis bien que mon tableau sélectionne contient des en-têtes. Si c'était décoché, je coche bien parce que j'ai bien des titres en haut de mes colonnes. Et je clique sur OK. Donc là, déjà, je vais fractionner mes données pour qu'elles soient compréhensibles et utilisables et analysables. Je les ai mises sous forme de tableau pour que ce soit plus facile de faire des formules, des calculs et d'utiliser des segments. Et maintenant, je vais faire un peu de mise en forme. Donc, déjà, je vais tout agrandir un tout petit peu pour que ce soit plus facile à voir. Je vais rajouter une colonne tout à gauche. Donc, je vais sélectionner la colonne A et faire CTRL plus. Je vais rajouter des lignes tout en haut. Donc, je vais sélectionner la ligne 1 et faire CTRL plus quelques fois. Là, on voit que j'ai commencé mon tableau à partir de la ligne 10. Donc, je vais faire CTRL plus. Jusqu'à ce que mes titres de colonne soient dans la ligne 10. Maintenant, je vais agrandir un peu ça. 30, comme ça on voit bien. Je vais réduire un peu cette colonne-là parce que je n'ai pas besoin qu'elle soit si grande. Pour agrandir cette ligne, clic droit, hauteur de ligne, et vous mettez l'heure que vous voulez. Et pour agrandir une colonne, clic droit sur la colonne, largeur de colonne, et vous mettez la valeur que vous voulez. Maintenant, on va faire encore un peu de mise en forme. Je vais focaliser d'abord sur de la mise en forme. Déjà, ce que je vais faire, c'est que toute cette colonne-là, donc pour la sélectionner, je vais sélectionner la première cellule, contrôle, la flèche au-dessus de contrôle et flèche de droite pour sélectionner toute la ligne. Et je vais centrer horizontalement et verticalement. Deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais lui dire, bah, voilà, déjà, cette colonne-là, donc pareil, contrôle, flèche au-dessus de contrôle et flèche du bas, et ça me sélectionne toute la colonne. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'aligner à droite et mettre un peu de retrait. Et ici, pareil, et ici, pareil, donc je vais sélectionner les deux. Contrôle, flèche au-dessus de contrôle et flèche du bas, et mettre un peu de retrait. Donc ça, c'est ce qu'on fait souvent pour les textes. On met un peu de retrait, c'est simplement plus visuel.
Et puis ici, je vais, là c'est des dates, donc on va faire deux modifs. Déjà, je vais les centrer et je vais les mettre dans un format pas standard, ni monétaire, ni pourcentage. Je vais mettre un format date courte pour qu'on comprenne bien que c'était des dates. Et puis, dernier truc, c'est que ici, je vais sélectionner, donc pareil, contrôle, flèche au-dessus de contrôle et flèche du bas, pardon, et je vais mettre en format monétaire. Alors, moi, j'aime bien le format monétaire, je le trouve plus modulable que d'autres formats, que le format comptabilité. Et du coup, je vais mettre comme ça, je vais enlever les décimales, mettre à droite et augmenter le retrait pour que ce soit bien comme ici, parce que c'est ce que moi j'aime bien faire, comme ici, du coup, c'est ce que j'aime bien faire dès que j'ai des montants, les mettre en devises, donc en euros, en dollars, en pounds, etc. Et les mettre vers la droite avec un peu de décalage. Et selon les cas, bien entendu, soit garder les décimales, soit les enlever. Donc là, on a quelque chose de pas mal. On va faire deux petits trucs en plus, exactement, pour finir la mise en forme. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va enlever le quadrillage que moi, j'aime pas voir ici. Je vais aller dans Affichage et Quadrillage et je vais l'enlever. On va bloquer un deuxième truc ici. On va lui dire que quand je me déplace vers le bas et que je scrolle dans mes 500 lignes de facture, donc dans mes 500 factures, je veux toujours voir mes indicateurs en haut. Et ça, c'est des trucs que je vous conseille de faire en permanence. Dès que vous avez un tableau un peu long, vous allez dans Affichage et vous allez sélectionner une ligne ou une colonne ou les deux et cliquer sur Figer les volets. Là, si je veux qu'on voit tout le temps cette partie-là, donc jusqu'à la ligne 10, bah, bizarrement, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la ligne 11, figer les volets et figer les volets. Ce qui fait que tout ce qui est au-dessus, bah, c'est au-dessus de ma ligne de flottaison, ça va jamais couler. Et je peux me déplacer à l'intérieur de ma liste et aller aussi profond que je veux dans les entrailles de mes factures. Dans tous les cas, je verrai toujours tout ce qui est au-dessus de la ligne 10. Et du coup, là, on a fait un énorme premier travail et de mettre en forme nos données pour pouvoir les utiliser, rajouter des colonnes, etc. Ce qu'on ne pouvait pas faire avec les données qu'on avait initialement dans une seule colonne. Dernier tout petit truc, je suis dans un tableau. Je clique sur création de tableau ici, qui peut s'appeler création ou tableau ou d'autres choses si vous. Et je vais enlever les boutons de filtre parce que je vais préférer mettre autre chose de mieux après. Première étape validée. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des colonnes en plus pour pouvoir mieux comprendre et naviguer dans nos données. Maintenant qu'on a bien mis en forme nos données, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des colonnes qui vont nous permettre de faire un peu des calculs intermédiaires qu'on va pouvoir utiliser pour aller naviguer dans nos données, donc par exemple naviguer facilement dans les factures par mois, en disant je veux voir les factures seulement de janvier, seulement de février, puis on va le faire aussi par année, par trimestre et par catégorie de factures en fonction de leur montant. Donc les montants les plus élevés, les montants les moins élevés par exemple. Et donc pour faire ça, bah, on va rajouter des colonnes. Donc je vais rajouter trois colonnes, je sélectionne les trois et je fais CTRL plus. Donc j'étais après la colonne de date, je sélectionne les trois colonnes, je fais CTRL plus. Donc là, ça va être ma colonne année, ma colonne trimestre, faire du plus grand au plus petit, et ma colonne bon, année et mois, c'est pas forcément compliqué. On a déjà fait une partie dans la vidéo précédente si vous l'avez faite avec moi. Trimestre, par contre, vous allez voir que ça va être un peu plus complexe et on prendra le temps qu'il faut pour bien le mettre en place. Et avant de passer à la suite, ici je vais rajouter une catégorie. Hop. Je vais supprimer ça, je ferai des allers-retours entre une feuille et l'autre pour que ce soit bien visuel. Mais en attendant, je supprime, je n'ai plus trop d'espace. Donc là, je vais dire que ça fait la même taille que l'autre, 18,57. Donc maintenant que j'ai ça, ce que je vais vouloir faire, c'est je vais compléter mes quatre colonnes que j'ai créées. Donc celle-ci sur les dates et celle-ci sur les montants. Année, c'est facile, fonction année, et je lui donne un numéro de série, c'est-à-dire une date. Alors, il me sort des 1905, etc. C'est juste que ce n'est pas le bon format, donc je vais tout sélectionner ici. Et je vais lui dire que c'est un format standard, parce que je calcule un nombre qui n'est plus à mettre en format date. Mois, donc je vais commencer par mois et trimestre, je vais le garder pour juste après. Mois, bah, je vais faire mois, mais ça va me donner un nombre. Je vais plutôt faire texte. De ça, le format, ça va être sur les mois, donc je mets 4M en minuscule, entre guillemets, pour dire que le format, c'est des mois que je veux écrire en toutes lettres. Et si vous avez un peu en tête ce que j'ai fait là, bah, j'ai voulu faire un peu plus propre. J'ai voulu faire, parce que je me manque un peu de place, je ne vais pas écrire en toutes lettres, mais seulement les premiers caractères du mois. Et je voudrais mettre une majuscule devant. Pour les premiers caractères, je vais faire juste 3, 3M au lieu de 4 et mettre un point. Comme ça, je fais ça. Et pour le mettre en majuscule, bah, je vais mettre autour de ça, après le égal, mais autour de ça, et faire la fonction nom propre.
Donc j'ai écrit la fonction nom propre avant ma fonction texte, j'ai ouvert la parenthèse, j'ai fermé la parenthèse. Ça s'appelle de l'imbrication de fonction. Et du coup, maintenant, j'ai une fonction dans une autre, dans une formule qui permet justement de mettre le nom du mois avec une majuscule au départ. Donc là, c'est pas mal. Et puis maintenant, le truc le plus complexe, c'est celui-ci. Juste utiliser les cellules qui sont là pour vous montrer, pour faire des tests un peu. Donc imaginons que j'ai 1, 2, 3, 5, 6 et 7. Je vais prendre ça, vu que j'ai cette place-là. L'idée, ça va être de faire en sorte de réussir à dire que tous les mois, donc imaginons que ça ce soit les numéros des mois, que je peux récupérer en faisant une fonction mois, ici. Je vais les mettre comme ça, que vous voyez bien. Donc là, c'est les numéros des mois. Tant qu'on est en janvier, c'est le 1. Et puis à partir de février, ça passe au 2. Et puis à partir de mars, ça passe à 3. Donc ça, c'est une information que je peux récupérer facilement. Et du coup, si j'ai ça, pour pouvoir faire une fonction, une formule qui va me dire, tant que c'est les mois entre janvier et mars, c'est le trimestre 1. Dès que c'est entre avril et juin, c'est le trimestre 2, etc. De 3 en 3. Donc trimestre 1, 2, 3 et 4. Je vais utiliser une fonction. Alors, accrochez-vous un peu. Quotient. Quotient, ce que ça permet, c'est de récupérer la partie entière du résultat d'une division. Je dis comme ça, moi je préfère l'utiliser plutôt que cliquer. Je vais dire par 3 et on va voir ce que ça donne. Si je l'étends ici, je vois que pour 1 et 2, il me dit 0 parce qu'on ne peut pas diviser 1 et 2 par 3, ça renvoie rien de entier. Et puis ici, il me dit pour 3, 4, 5, il me renvoie 1. Et moi, ce que je voudrais, ce serait plutôt sans doute faire moins 1. Donc je lui dis, bah, quand c'est 1, tu prends 0, etc. pour que ce soit plus facile à manipuler. C'est pas forcément évident, mais c'est le genre de petit truc qu'on fait tout le temps. On va tester qu'est-ce que ça donne si on a 9, si on a 9, 10, 11 et 12. Bah, j'obtiens 3, 3, 3. Et du coup, ça a l'air pas trop mal. Et tout ce que je vais faire, c'est que je vais faire plus de 1 à la fin de ça. Donc, c'est-à-dire que 1, 2, 3, ça me donne 1. Et puis, on va faire des tests. Pardon, que vous voyez, donc 4, 7, 12. Je vois bien qu'en faisant ça, les mois de 1 à 3, ils seront numérotés 1. Les mois de 4 à 6, ils seront numérotés 2. Les mois de 7 à 9, ce sera 3. Et 11 et 10 à 12, ce sera 4. Donc, c'est pas forcément le plus évident à expliquer, c'est pas forcément le meilleur truc. Mais ça, c'est le genre de truc qu'on utilise tout le temps pour pouvoir calculer les trimestres à partir des numéros des mois. Et je vais refaire la même chose. Donc, je vais faire. J'ai déjà calculé mon mois. Donc, je vais dire quotient de ça, moins 1. Ce que j'avais déjà écrit. Il me dit que c'est 0 et on va voir qu'à partir d'avril, hop, il me dit que c'est 1 et puis à partir de juillet, il me dit que c'est 2. Donc ça a l'air d'être bon, c'est ce que j'avais déjà fait. Je vais faire plus 1 pour obtenir bien les bons nombres et pas 0, 1, 2, 3, mais 1, 2, 3, 4. Hop, je remets comme ça. Donc là, à la fin, je suis revenu à 1 parce que c'est janvier 2023. Maintenant, je vais lui dire simplement rajoute avant prime. Je mets ça entre guillemets, ce texte-là entre guillemets, et je pourrais le faire avec un format de nombre, mais si je le fais avec un format de nombre, ce ne sera pas forcément génial à utiliser dans mes segments. Et moi, le but, ça va être d'utiliser ces valeurs-là dans mes segments. Donc, ce que je fais, c'est que maintenant que ça c'est fait, je vais sélectionner ici et mettre comme ça pour qu'on voit bien que ici, c'est des données et que ici, c'est des calculs. Du coup, ça permet de bien faire une distinction efficace entre des endroits où il y a des données et des endroits où il y a des calculs. Et maintenant que ça c'est fait, je vais faire ma dernière colonne qui est à droite. Ce que je veux, c'est des catégories. Et je vous remonte ce que j'ai. L'idée, c'est que pour chaque montant de facture, ça me dise à quelle catégorie de facture ça appartient. Et c'est des catégories qui vont de 500 en 500. Donc c'est-à-dire que ça va être de 0 à 499, de 500 à 999, de 1000 à 1499, etc. Et donc pour faire ça, bah, je vais utiliser une fonction mathématique qui s'appelle plancher. Est hyper bien pour faire ça plutôt que de faire des petits imbriqués ou des recherches V ou recherches X, c'est-à-dire plancher de ce nombre un peu modulo 500. Et dès lors que pour chaque nombre, on le voit ici, il dit quel est le multiple de 500 qui est égal ou inférieur. Donc c'est-à-dire que pour 1100, bah, le multiple de 500 qui est égal ou inférieur, c'est 1000. Pour 800, c'est 500. Et ça, c'est parce que j'ai utilisé plancher.
Si je vais utiliser plafond, il prendrait le multiple de 500 qui est égal ou supérieur. Donc là, il cherche toujours à aller au multiple de 500 qui est juste en dessous, sauf si on est déjà sur un multiple de 500. Donc là, ça fonctionne bien, ça me donne ça. C'est pas suffisant parce que moi, ce que je voudrais, c'est créer des catégories. Je vais lui dire que je vais créer une fonction lettre pour pouvoir réutiliser certains trucs. Et donc, je vais créer une fonction lettre dans laquelle je vais dire mon n, c'est 500. Mon n, c'est 500. Si je lui dis que je peux afficher n ici, il va m'écrire 500 partout. C'est une fonction qui permet de créer des variables et ces variables locales, de les utiliser dans la formule. Donc là, je vais créer ça. Comme ça, je pourrais réutiliser n plutôt que d'écrire 500 à plusieurs endroits et de pouvoir me tromper. Maintenant, je lui dis plancher à nouveau de ça, point virgule n plutôt que point virgule 500. Déjà fait, donc j'obtiens les mêmes résultats. Mais l'avantage, c'est que ça, bah, lettre, je vais pouvoir la réutiliser parce que moi, je vais avoir besoin de quelques petits trucs de plus. Je vais lui dire que à partir de maintenant, on va dire M sera un montant et ça vaut ça. Ou P, ce sera le plancher qui vaut ça. Là, si j'écris P, ça veut dire que maintenant, je dis que N, c'est égal à 500, je dis que P, c'est égal à plancher de 500. Et du coup, j'ai plus qu'à utiliser P si jamais je veux écrire plusieurs fois P. Et c'est exactement ce que je veux faire. Parce que moi, je veux écrire P, mettre un espace, un tiret et un espace, et écrire à nouveau P. Donc, si je fais ça, vous allez voir, ça va écrire 1000, 1000, mais c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux écrire, c'est à nouveau P plus N moins 1. Pour aller jusqu'à l'autre bout de, en gros, calculer les deux bornes de la catégorie. Donc là, je fais P. Ensuite, j'écris un tiret et ensuite j'écris à nouveau P. Donc, si c'est 500, ça redevient 500. Plus N, ça fait plus 500 et moins 1, ça fait 999. Donc, par exemple, ici, on a 2000 à 1499. Ici, on a de 500 à 999. Et puis ici, on a de 1500 à 1999. Et une fois que j'ai ça, je vais juste rajouter et euros pour que ce soit bien compréhensible. Alors, je vais mettre un espace. Hop. Et du coup, j'ai des catégories qui vont être bien compréhensibles, bien visuelles, bien faciles à identifier. Donc là, j'ai ça. J'ai des catégories que moi, je peux comprendre, que tout le monde peut comprendre, qui rentreront bien dans un segment pour pouvoir faire des focus sur seulement les factures qui sont de 500 à 999 euros, donc dans cette catégorie-là. Et du coup, je vois que celles-ci qui sont là. Donc voilà, ça, c'est pas le truc le plus simple à faire. On pourrait le faire sans une fonction let. Mais tant qu'à faire, autant essayer de monter au niveau d'au-dessus. Si vous n'avez pas la fonction let, bah, je vais vous laisser chercher un peu comment faire. Je le mettrai sans doute dans la description de la vidéo. Comment faire la même chose sans la fonction let. Mais testez par vous-même. Vous allez trouver la fonction let, c'est juste un raccourci. Maintenant qu'on a créé ces nouvelles colonnes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer les segments qui sont là-haut. Et les calculs qui sont là-haut aussi pour pouvoir justement toujours avoir des indicateurs sous les yeux sans avoir besoin de faire un TCD dans une autre feuille et de devoir naviguer entre les feuilles. Je me remets ici dans mes données. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est ça et ça. Et on va commencer par le bas et puis ensuite on va faire le haut. Donc, si je regarde, à partir de la ligne E, j'ai facture totale, moyenne, médiane, max, min. Donc, je vais reprendre ça. Donc, en E6, facture, ensuite totale. E6. Donc là, je vais calculer le nombre de factures, le total, sous-entendu montant total, la moyenne, la médiane. La médiane, c'est la valeur qui marque la délimitation entre il y a autant de valeurs qui sont en dessous que de valeurs qui sont au-dessus. Donc c'est pas la même chose que la moyenne. C'est un peu différent, vous allez voir les petites différences. Et ici, le max et le min. Donc là, ce que je vais faire, c'est que en bas, donc je vais avoir deux cellules. Pour chacune des cellules qui est là, donc facture, totale, moyenne, médiane, max et min, ce que je vais faire, c'est que dans la ligne 8, je vais calculer le montant total qui ne va jamais varier. Donc le montant total de toutes les factures, la seule raison pour laquelle ça va varier, c'est si on rajoute des factures au tableau, mais pas si on applique des filtres, des segments, si on change l'ordre, etc. Je vais peut-être commencer par celui-ci. Ce que vous voyez bien, c'est le plus simple, je vais faire somme. Mes sommes, et puis je vais aller sélectionner cette cellule-là. Je vais aller tout en bas, et ça me fait la. Je ferme la parenthèse,
Et ça va me faire la somme de toutes les factures qui sont ici. Si jamais j'appliquais des filtres, si je mettais des segments et que j'appliquais des filtres, ça changerait jamais. Et je vais appliquer le même truc qui est là, qui est de dire que tous ces montants-là, ils sont en gris parce que, alors là, je les ai mis en gris et en 10, parce que c'est un peu des références. Donc, ce qui veut dire que tout ça, je vais le mettre en gris. Alors, je vais le mettre en gris foncé, comme ça, et en 10, histoire qu'on voit bien que ça c'est des références, c'est des montants de référence. Et donc là je vais appeler ça peut-être focus et total. Ici ça va être en gris aussi. Donc là c'est la somme de toutes les valeurs de la colonne montant. Et puis je ne vais pas le refaire à chaque fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire bah, ça, je vais le copier. Je vais le coller là, là, là et là. Et je vais changer uniquement la fonction qui est au départ. Donc ici je vais dire que c'est la moyenne. Ici je vais dire que c'est la médiane. Ici, je vais dire que c'est le min, on va regarder après, le max, pardon, je vais faire dans le même ordre, hop, max et min. Alors, j'ai raté, max et min, et puis on va regarder déjà ce que ça donne. Donc là, qu'est-ce que ça me dit si je prends juste ces valeurs-là? Ça me dit que pour chacune, pour l'ensemble des factures, le total, c'est 608 000 euros, la moyenne, c'est 1182 euros, la médiane, c'est 1200, c'est-à-dire qu'il y a autant de factures au-dessus du montant 1200 qu'en dessous du montant 1200, et que le max, bah, c'est 2150, et que le min, c'est 400 euros. Et si là, j'appliquais des filtres, bah, ça ne changerait rien sur ces montants, parce que ces montants, avec les fonctions somme, moyenne, max, min et médiane, ils sont indépendants des filtres qui sont appliqués, donc des lignes qui sont visibles ou non. Donc là, ces montants-là, ça va être un peu mes références, comme je les ai ici. Ici, quand je clique sur Djibril, bah, je vois que ça me donne juste 131, c'est les factures de Djibril par rapport aux 515 factures en tout. Donc là, c'est pas mal. Je vais calculer mon nombre de factures. Alors, je vais prendre la même chose. Et je vais faire NB val, qui est un peu moins connu. Il va calculer le nombre de valeurs, quel que soit le type de valeur, donc des nombres, des textes, etc. On s'en fiche, on va prendre nombre de valeurs. Donc là, ça me dit 515 factures, c'est juste que celui-ci, bah, c'est un nombre et c'est pas du monétaire. Je vais faire un peu de mise en forme. Donc ici, je vais centrer ça, centrer comme ça aussi, le mettre en bleu et écrire en blanc, qu'on voit un peu mieux. Ces deux lignes-là, je vais les agrandir un peu pour que ce soit plus visuel aussi. Donc je vais dire que c'est du 22, par exemple. Et je vais venir tout centrer au centre de la cellule. Un peu de mise en forme. Je vais mettre ça sur le côté. Et puis là, je vais faire un tout petit peu de décalage comme ça. Et là, comme ça, ce sera à droite de la cellule. Je regarde ce que ça donne ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, c'est parfait. Je vais rajouter ici un peu de mise en forme à nouveau des bordures blanches. Je suis allé dans bordure, couleur de trait, je mets blanc, je vais mettre des bordures partout. Et ici, je vais mettre bordure, couleur de trait, ce bleu-là, on va faire. Et puis, je vais mettre pas partout, mais je vais mettre juste en bas pour qu'on voit bien la démarcation, comme c'est le cas ici. Ah, bien sûr, je vais faire celle-ci aussi. Et là, je vais mettre que ça, c'est en bleu. Donc là, c'est un peu de mise en forme. Alors, si je regarde à nouveau ce que j'ai ici, en vrai, cette ligne-là est plus grosse que celle d'en dessous. Donc, je vais faire la même chose. Je vais dire que là, c'est plutôt 28 et que là c'est plutôt 18, super. Et donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais calculer la même chose que ça. Donc je vais tout copier. Je vais tout coller les formules ici. Donc je vais aller coller uniquement les formules, c'est ça. J'ai les mêmes choses. Je n'ai pas la même mise en forme. Je vais mettre une autre mise en forme. Je vais mettre hop, comme ça, mise en forme. Je vais centrer ici. Ici, je vais mettre la mise en forme monétaire aussi. Ce que je vais changer, c'est surtout les couleurs et la taille de la police. Donc, je vais agrandir un peu tout ça parce qu'on a de la place, autant profiter. Et puis, c'est surtout ça qui doit ressortir le plus. J'agrandis un peu pour qu'on voit vraiment que ça, c'est l'information importante et celle d'en dessous, c'est pas l'information importante. Et maintenant, bah, toutes ces fonctions-là, toutes ces cellules-là, je vais dire qu'elles sont dépendantes des lignes qui sont affichées ou pas et qu'on va gérer juste après avec tout ce qui est les segments ici. Et donc je vais le faire d'abord ici, je vais tout préparer. Donc ça veut dire que chaque fonction, nombre val, somme, moyenne, médiane, max et min, va être remplacée par une fonction agrégat qui va faire le même calcul. Donc pour faire ça, je supprime ça et j'écris agrégat. J'ouvre la parenthèse. La fonction agrégat, ce qu'elle permet de faire, c'est de faire un calcul comme l'une des fonctions qu'il y a à l'intérieur,
mais en ne prenant en compte que les cellules qui respectent certaines règles, et notamment la règle de est-ce qu'elles sont visibles ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'elles ont été masquées par un filtre dans un tableau ou un segment dans un tableau. Et donc là, moi, le premier c'était nombre val, donc je vais dire c'est toujours nombre val, c'est-à-dire que c'est 3. Ça, c'est le numéro du calcul, et ensuite la règle de calcul, et moi je vous conseille d'apprendre 3. Donc je veux ne pas prendre en compte dans mon calcul ni les lignes masquées, ni les valeurs d'erreur, ni les fonctions sous-totales et agrégats qui sont à l'intérieur. Du coup, pour pas faire doublon, je ne vais pas déjà prendre des sous-totaux et des agrégats qui existent dans les valeurs que je prends. Moi, ce qui est important là-dedans, c'est de bien ignorer pour l'avenir, pour la suite de mon tableau, les lignes masquées. 3, comme ça. Je ne vais pas tout refaire à la main, je vais refaire le deuxième comme ça en le changeant. Et puis après, je vais vous montrer, je vais faire juste des copier-coller. Agrégat. Ici, ce que je veux, c'est le total, donc c'est la somme. 3 à nouveau, pour masquer les lignes vides, les erreurs, etc. Et puis je fais ça. Et puis pour les autres, bah, comme j'ai déjà ça qui est fait, c'est déjà le bon truc, je vais juste venir changer ici le numéro. Donc dire pour que la moyenne, quand c'est la moyenne, je vais dire que c'est 1. Je change juste le numéro au départ. Quand c'est la médiane elle est ici, c'est 12. Quand c'est le max il est ici, c'est 4. Et quand c'est le min il est ici, c'est 5. Ces calculs-là, contrairement à ceux-là, ils vont être dépendants des lignes qui sont masquées et des lignes qui ne sont pas masquées. Et donc pour faire ça, bah, on va le voir, enfin ça, on va le voir quand on va créer des segments, et puis on va créer des segments tout de suite pour pouvoir justement tester ça. Et le but, ça va être de faire les segments qui sont là-haut. Maintenant qu'on a bien standardisé nos données pour pouvoir les utiliser, qu'on les a mises au propre, qu'on a créé des colonnes en plus qui nous permettent d'avoir des catégories intéressantes à utiliser pour faire des focus, et qu'on a créé nos deux lignes de Toto, celle qui sera dynamique et celle qui ne le sera pas, bah on va créer le dernier truc qui nous manque, c'est les segments. Donc insérer un segment, je sélectionne mon tableau. Quand j'ai sélectionné mon tableau, j'ai ici un onglet dans le ruban qui s'appelle création de tableau ou création ou tableau ou autre chose et qui permet de cliquer ici sur insérer un segment. Je vais insérer ces six segments-là, donc année, trimestre, mois, parce que c'est des catégories intéressantes au niveau des dates, et produit, commercial et catégorie, parce que c'est des catégories intéressantes sur tous les autres niveaux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà paramétrer le premier, je vais le copier et je vais le mettre là, et je vais jouer un peu avec le premier, on va dire, pour vérifier, pour essayer d'obtenir la même chose que là, donc tout sur une seule ligne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réduire sa taille pour que tout puisse apparaître sur une ligne. Donc je réduis sa taille et je vais augmenter par contre son nombre de colonnes. Clique, c'est sur deux colonnes. Donc je vais réduire sa taille autant que je peux. Donc là, je vois que je mords un peu sur le bout du bouton, donc je vais augmenter un tout petit peu. Et là, ça a l'air pas mal. Je pourrais peut-être faire moins et avoir un truc plus précis, mais voilà, c'est très bien. Une fois que j'ai fait ça, bah, les deux autres dates, je vais les paramétrer un tout petit peu. Donc je vais d'abord faire en sorte de les paramétrer ici, ensuite je vais les coller en haut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire, puisque là mes années c'est bon, je vais essayer de faire en sorte d'avoir le maximum de place pour les trimestres et encore plus de place pour les mois. Donc, je vais faire ça. Il faut que j'ai mes 12 mois qui rentrent dans une seule ligne. Donc il faut que j'ai 12 colonnes. Là je vois que ça tient. On voit bien le nom de tous les mois, en tout cas la version abrégée qu'on a. Et ici, il faut que je vérifie que mes quatre colonnes peuvent tenir bien, trimestre 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est bon. Et comme là, j'ai décidé que la hauteur d'un segment, c'était 1,8, bah, je vais juste dire que ces deux-là aussi, leur hauteur, c'est 1,8. Et maintenant que c'est bon, je vais sélectionner ces trois segments, juste ces trois-là. Je vais faire aligner. Donc là, je suis dans segment, aligner en haut. Alors ça, je vais peut-être l'augmenter un peu pour que ce soit plus beau. Donc, alors il y a plein de manières de faire, mais je vais augmenter la hauteur de ces deux lignes-là, la ligne 2 et la ligne 4, pour que ce soit bien des grandes lignes dans lesquelles je vais intégrer mes segments. Je vais dire ça vaut par exemple 45. Je pense que ça devrait être bon, peut-être un peu plus, donc 48. Peut-être encore un peu plus, 50, comme ça tient bien. Donc mes deux lignes font 50. Celle-là, bah, elle est très bien. Et du coup, mes autres segments, bah, je vais les mettre ici aussi. Donc, c'est-à-dire que mes produits, je vais le mettre là. Je vais monter un peu. Alors mes autres segments, ils sont restés coincés en bas. Voilà, je vais les récupérer. Et je vais faire la même chose de faire en sorte de tout mettre sur une seule ligne. Donc je vais déjà faire le premier. Vous voyez que là, si j'ai fait une colonne qui fait cette taille-là, enfin
Un segment qui fait cette taille-là, bah sur trois colonnes, ça rentre pas. Donc je vais faire un peu plus large pour qu'on voit bien, histoire que ça fasse la même chose que là. Là, c'est encore un peu trop court, je vais faire un peu plus large, voilà. Là, j'ai un peu d'espace. Ensuite, pareil avec celui-là, je vais juste le coller à peu près là. Je vais dire, bon bah là, j'ai quatre personnes, donc je vais faire encore un peu plus grand. Je vais mettre quatre colonnes. Et puis là, ça rentre. C'est parfait. Et le dernier, bah pareil, je vais le mettre là, je vais faire en sorte que ça aille jusqu'au bout ici. Donc ça superpose bien mon tableau. Et puis je vais voir combien de colonnes j'ai besoin. J'ai besoin, voilà, de ça comme colonne. Donc là, ça rend plutôt pas mal. Et je vais sélectionner ces trois segments-là, aligner et aligner en haut. Et la hauteur que je vais leur donner, bah, c'est 1,8 comme ceux d'au-dessus. Là, j'ai tous mes segments. Alors je peux réduire encore un tout petit peu. Par exemple, si je pourrais dire, j'ai pas besoin d'autant de place, je vais faire une ligne de 10. Ça me fait gagner un tout petit peu de place. Je vais remonter ces segments-là. Hop. Et puis peut-être que cette ligne-là, j'ai pas besoin qu'elle soit aussi grande non plus, donc je vais dire qu'elle fait 10 aussi. Donc là, je gagne un peu de place, sachant que en général, une fois que vous en êtes là, bah, vous pouvez masquer ça pour avoir vraiment le maximum de place dédiée à votre tableau, à vos données, parce que ça, c'est très bien pour le construire. Mais une fois que vous l'avez construit, vous n'avez pas forcément besoin de tout ce qu'il y a là-dedans. Donc pour le masquer, c'est double clic. Vous faites double clic pour le masquer, double clic pour le démasquer. Et du coup, moi je le laisse comme ça et je vais faire un dernier truc. Je vais sélectionner mes 6 segments. Donc pour j'en sélectionne un et CTRL A, ça sélectionne les 6. Je vais aller ici et dire que c'est cette couleur-là que je veux. Et maintenant, dernier point de mise en forme. Ici, je vais prendre cette cellule et je vais écrire que c'est chiffre clé. Comme ça, je vais mettre un gros titre pour qu'on comprenne bien que là-dedans, ça, c'est des chiffres clés. Donc, je vais le mettre là, je vais le mettre comme ça. Il faudrait, voilà, que ce soit à peu près centré comme ça. Et je vais le mettre en gros, hein, parce que tant qu'à faire. Voilà. En gros, en gras, en souligné, histoire qu'on comprenne bien que ça, c'est un titre. Et ici, bah, je vais créer une forme, insertion, illustration, forme. Et je vais créer simplement un petit rectangle. Alors, je vais faire un rectangle arrondi. Je ne l'avais pas fait, mais je vais faire un rectangle arrondi. Dans lequel je vais dire que l'arrondi, il est quand même très faible. C'est juste pour que ce soit un peu plus sympa. Et maintenant, je vais dire que cette forme-là, elle n'a aucun remplissage, mais que son contour, il est assez épais quand même. Donc, je fais ça. Et puis, la couleur du contour, ça va être la même couleur que tout le reste du tableau, ça va être ça. Et du coup, j'ai un petit contour comme ça. Je vais juste bien organiser le fait qu'on voit bien nos données, que ça n'empêche pas de voir quelque chose. Donc je vais faire comme ça et l'arrêter ici. Donc là, j'ai un petit. Alors, je dis pas que c'est extraordinaire, mais ça met un peu en valeur que le fait que tout ça, bah, c'est les chiffres clés qui correspondent à ce qu'il y a là. Je pourrais faire bien sûr un peu mieux, hein, mais du coup, on comprend quand même plutôt pas mal que les chiffres clés qui sont ici sont ceux-là. Et maintenant que bah, mes segments ils sont faits, bah, je peux checker par exemple les factures de janvier en 2023. Elles représentent 17 factures pour un total de 21 000 euros. Et ça, c'est par rapport à 515 factures pour un total de 608 000. Et si je vais plus loin et que du coup, je t'interroge autre chose, on peut regarder les factures de 0 à 499 euros. Bah, il n'y en a qu'une seule. On voit qu'elle est en 2022 au trimestre 1. En janvier, on voit que ça date, plus précisément c'est celle-ci. C'est la seule facture qui est en dessous de entre 0 et 499 euros, donc en dessous de 500, et elle concerne le produit A et le givré. Et puis si on regarde la catégorie la plus élevée, bah, il n'y a que deux factures, c'est ces deux-là pour une moyenne de 2100 euros, et le max c'est 2150, et du coup le min c'est 2050, puisqu'il n'y a que deux factures. Et du coup voilà, vous avez des segments bien faits qui vous permettent de faire des focus aussi précis que vous voulez. Par exemple, je vais voir produit C, Djibril, Mars. Et donc, ça vous montre que en mars, pour Djibril, il y a eu trois factures entre 1650 et 1850 euros. Dernier petit truc avant d'arrêter, un tout petit peu de mise en forme. Ok, je vais sélectionner tout ça, toute cette colonne. Et je vais lui dire, mais simplement des. Donc mise en forme conditionnelle, barre de données, et je vais dire de mettre simplement des barres bleues. Comme ça, on voit au premier coup d'œil, par exemple, si on prend le produit A, on voit que c'est plutôt des factures qui sont pas très élevées, et le produit C, c'est plutôt des factures qui sont très élevées. On peut le voir dans les chiffres ici, mais c'est très bien d'avoir des repères visuels comme ça.
Et produit B, bah voilà, on est plutôt sur le moyen. Donc on voit que la moyenne de produit A, c'est plutôt 700 euros. Moyenne de produit B, c'est plutôt 1200. Moyenne de produit C, c'est plutôt 1700. Et ça, on le voit notamment ici. Mais on le voit aussi très bien ici. Et voilà, on a terminé ce fichier-là. On a terminé ce petit outil. On est arrivé à passer de ce qu'on avait au tout début à quelque chose qui ressemble beaucoup à ça, en pas mal d'étapes, mais qui sont un peu les mêmes, quelles que soient les données que vous ayez, et qui sont reproductibles à l'infini. Une fois que vous avez fait ça, vous savez le faire pour à peu près n'importe quelle donnée. On se retrouve sur un prochain outil, une prochaine fois.